Merci d'accueillir chaleureusement Anthony Manchado, responsable du département des sports du pôle universitaire Léonard de Vinci. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons récompenser environ 300 étudiants. 91 podiums aux championnats de France et d'Île-de-France, dont 18 titres de champion de France, 6 titres de vice-champion de France, 34 titres de champion d'Île-de-France et 21 titres de vice-champion d'Île-de-France. J'appelle maintenant Ayoum Néglise, qui animera cette cérémonie à mes côtés, étudiant en 5e année à l'école de management Léonard de Vinci, dans la filière sportive de haut niveau, champion du monde de karaté cette année à Tokyo, 3 fois champion d'Europe et plusieurs fois champion de France. Bonsoir à tous. Eh ben, tout d'abord, merci Anthony, merci de m'avoir invité à présenter cette cérémonie avec tout le département des sports. Donc je suis déjà très content de représenter haut les couleurs du pôle universitaire. Je crois que la saison 2009 a été vraiment riche au niveau des résultats sportifs. Afin d'ouvrir cette cérémonie, j'appelle Amine Chiari, directeur général du pôle universitaire Léonard de Vinci. La place aux sportifs, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même la fête du sport tous les jours au pôle Léonard de Vinci. Depuis 1995, nous avons considéré qu'il était possible de concilier sport de haut niveau puis carrière de cadre en entreprise, qu'il ne devait pas y avoir forcément de choix à faire. Nous n'avons pas fait le pari de la reconversion des sportifs, bien au contraire, mais de la préparation des sportifs à l'après-sport, avec des principes simples. Et c'est un parti pris très fort, un peu original, c'est que pour ces étudiants-là, le sport, quelque part, est prioritaire sur les études, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que les études s'adaptent au sport, et c'est donc pas la carrière sportive qui s'adapte aux études. Pour moi, c'est un moment de grande satisfaction, de grande joie. Je vais simplement dire que notre dernière initiative qui a consisté à ouvrir notre enseignement aux sportifs de haut niveau et à faire en sorte, comme le rappelait Amine Chiari il y a quelques instants, que nous adaptions nos enseignements à leurs problèmes et à leurs horaires, et non pas l'inverse, nous sommes heureux de l'avoir fait. Et nous sommes heureux ainsi, probablement, une fois de plus, d'être des pionniers et d'ouvrir la marche. Voilà, maintenant nous allons passer à la partie festive. Je veux remercier très chaleureusement David Douillet d'être là ce soir. Je le remercie 1000 fois. Merci infiniment de nous consacrer un peu de votre temps et de nous apporter votre parrainage. Élise, je vous embrasse. Monsieur. Les études montrent aujourd'hui que les enfants, si petits soient-ils, jusqu'évidemment, jusqu'à vos âges, jusqu'à les adultes qui poussent loin leur cursus, lorsqu'ils ont une pratique sportive assidue, augmentent de 30% leur taux de réussite. Voilà, c'est des chiffres qui sont réels, qui sont vrais, et donc vous êtes précurseurs, vous l'avez dit, et ça marche, voilà. Ça marche fort. Des gens qui ont un double projet, c'est pas vous que je vais convaincre, sont justement des gens à mettre en valeur, voilà. Vous êtes des gens à mettre en valeur, à être cités en exemple, parce que vous êtes, quelque part, vous êtes des exemples face à ceux qui n'ont pas choisi ce... Bon, enfin voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis vraiment très impressionnée parce que c'est la première fois que je suis venue ici et je ne savais pas que ça existe. C'est pour cela que je suis partie aux États-Unis parce que quand je suis ici, j'ai l'impression que je suis à UCLA où je m'entraîne depuis 8 ans, où le respect, le bonjour, tout y est, le sport et les études. Et j'ai dit à Virginie qui m'a fait visiter gentiment, je suis arrivée 1h30 plus tôt, et je dis j'ai heureux d'être là, parce que j'aime bien les études, j'aime bien apprendre, mais je n'ai pas eu la possibilité de faire dans une école normale. Et profitez, vous avez un joli cadeau, profitez les étudiants, et à bientôt. Et un grand triomphe à toute l'équipe de football championne de France 2009, David, Pierre, Amine, Camille, Clément, Kevin, Mamadou, Hugo, Mathieu, Moussa, Valentin,
François, Pierrick, Bastien et Charles. Je vais laisser la parole à Elisabeth Laurent, qui les a encouragés sur Aix-en-Provence. Elisabeth, si vous voulez dire un petit mot. Merci. Oui, Anthony, moi j'ai eu le grand bonheur d'accompagner cette équipe au championnat de France. En plus, ils ont gagné. Mais j'ai découvert un esprit d'équipe extraordinaire. Comme je vous le disais, j'ai assisté à deux matchs. Le match sur le terrain et le match que livrait l'entraîneur auprès de ses joueurs. Et c'était absolument extraordinaire. Voilà, donc j'étais vraiment très heureuse d'être avec vous. Et encore toutes mes félicitations. Bravo. On va maintenant passer au 4L Trophy. Et je vais appeler Stéphanie Bellassène à venir nous rejoindre. Alors Anthony, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur le 4L Trophy ? Alors le 4L Trophy est un rallye raid humanitaire, donc qui a pour but d'acheminer 50 kilos de fournitures scolaires pour les enfants du sud marocain. Participation d'environ 800 4L. Et cette année, 6 4L du pôle ont participé à ce rallye raid humanitaire. Et j'appelle Nicolas, Maxime, Julie, Titiana, Stéphanie, Benoît, Victor, Kevin, Marine, Florence, Olivier et Médéric. Bravo. En vous donnant rendez-vous l'année prochaine, je vous invite, après la photo souvenir, à partager ensemble le verre de l'amitié. Merci. Ouais.